Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Alex qui tacle fort Julien après les derniers épisodes des 50. Depuis le tournage et la trahison d'Alex qui a causé le départ de Manon, les deux Marseillais sont en guerre. Tout à l'heure dans sa story, Alex a clashé fort Julien, le qualifiant de victime. Il assure qu'ils n'ont jamais été amis, contrairement à ce qu'a pu dire Julien. Alex balance tout et fait une grosse mise au point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, la saison des piscines, la saison d'été, du transat, des cocktails, elle est finie. C'est la saison des limaces et des artichauts. Ah ouais, là c'est... C'est automne. Il y en a des artichauts et des limaces. Il y en a à la pelle. Hein. Après voilà, tu vois, faut arrêter le soir quand j'allume W9 de faire la victime en ITV. Mon ami depuis 12 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes, le couze? La dernière fois que j'étais chez Bébéo, ça a appelé Bébéo, viens me faire un barbecue. Bébéo, il a dit, je suis avec Alex. Et ça a dit, pas d'Alex. J'ai pas compris, toi, en fait. J'ai pas compris. Donc bon. Ta victime, tu l'as fait quand ça t'arrange. Maintenant, le mieux pour toi, c'est que tu restes dans tes matchs live, le sang à 4, dans la même pièce. Tu es très bien, tu es à ta place. Ouais. Te mélange pas surtout. Parce que voilà, eux se mélanger, c'est pas trop leur délire. Ouais. Vous voyez, nous, on est que le peuple. Mais le peuple, je les aime. Ouais, je suis un mec du peuple. Et allez, le peuple. Et vous savez, moi, je suis pas là pour fabuler. Je suis pas là pour mentir. Je suis quelqu'un de franc. Et je pense que dans sa vie, il a plus eu besoin de moi, Julien, que moi j'ai eu besoin de lui. Alors vraiment, mais sincèrement parlant, je vous le dis. Et après voilà, je vous éclaircis la chose. Ce n'est pas mon ami. Mes amis, je les connais. Ils se connaissent, ils se reconnaissent. Et ils se connaissent très bien. C'est-à-dire, eux, ils savent qui ils sont, eux. Lui, je crois qu'il se cherche encore. Et en plus de ça, on va être honnête, faire la victime... En salle JTV ou sur W9 à faire mon ami depuis 12 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh la team, sur la vie de ma mère, même pas un FaceTime. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est juste des gens qui te gardent sous le coude. On sait jamais, un jour, au cas où, tu vois. Et moi, je suis pas quelqu'un qu'on garde sous le coude. C'est tout. Bon, bref, moi, parler sur les réseaux, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Mais c'était juste pour vous éclaircir la chose parce que ça y est. À en croire ses oreilles, on dirait que je suis né avec lui, je suis son frère de couche. Vous êtes des fous, quoi. C'est pareil pour son collègue, là, celui qui fait des demi-mêlées, là, du top 14. Lui, pas son poteau, pareil, frère. Je l'ai vu une fois en 4 ans. C'est la même chose, la team. C'est pareil. Donc, ils peuvent inventer et faire ce qu'ils veulent. C'est des manipulateurs et c'est des gros mythomanes. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y en a comme mytho dans la vie? Et ça fait peur. Bref, sur ce, maintenant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite le plus beau des week-ends. Je vous aime à la folie. Mais j'ai des choses à faire, des vraies choses dans ma vie que de parler de certaines personnes. C'est parce que je reçois trop de messages. Ami, non. Je vais vous donner la définition d'un ami. Et c'est pas ça du tout. Et je vais vous dire un truc. Hein. J'ai refusé toutes les interviews, les patins, les couffins. J'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que moi, je parle pas de la vie privée des gens pour dénigrer les gens ou quoi. C'est pas mon délire. Je suis pas une poucave, moi. On m'a pas éduqué comme ça. Je balance personne. Voilà. Donc, chacun sa vie, chacun ses problèmes, chacun ses envies, chacun ses soucis, chacun se régale comme il a envie de se régaler, chacun kiffe, chacun profite avec sa famille. Et voilà! Tout simplement. Et on stoppe tout. On stoppe tout, la mif. Tu comprends? Je vous embrasse. La semaine prochaine, faut regarder les 50. Et assidu. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.